Fabrice Luchini et Bernard Tapie se sont donné la réplique, en 1996, dans le film Homme, Femme, Mode d'emploi de Claude Lelouch. L'expérience commençait pourtant si bien. Fabrice Luchini est à l'affiche de la série Tapie dans laquelle il incarne Marcel Loiseau. Le programme a été mis en ligne sur Netflix le vendredi 8 septembre 2023, mais le sujet reste décidément d'actualité, puisque tout le monde en parle. Alors qu'il assurait la promotion du film La Petite de Guillaume Niclou dans l'émission C'est à vous sur France 5 ce vendredi 15 septembre 2023, l'acteur fabuliste a retrouvé, à l'aide d'une vidéo pré-enregistrée, son camarade de jeu Laurent Lafitte, lui qui a été choisi pour prêter ses traits au célèbre homme d'affaires, décédé le 3 octobre 2021. Si ainsi que Laure Lafitte a demandé, à Fabrice Luchini, ce qu'il pensait réellement de Bernard Tapie. Et pour cause. Ces deux-là avaient joué pour Claude Lelouch en 1996 dans le film Homme, Femme, Mode d'emploi, dans lequel il donnait la réplique à Alessandra Martin, ex-femme du réalisateur. Comment s'est déroulée l'expérience? Avec des hauts et des bas, semble-t-il. Au début pas mal, parce qu'il a une grosse personnalité, rappelle Fabrice Luchini. Il était un immense séducteur. Et puis à un moment, comme il sortait le film entre eux deux, moi je me suis mis de côté. À un moment il voulait le projeter à Venise, et j'ai dit allez-y tous les deux, vous avez fait la pub sur vous deux, allez-y tous les deux, Claude Lelouch, que j'aime beaucoup, et Bernard Tapie. Cette désolidarisation n'avait, alors, pas été au goût de Bernard Tapie qui s'était emparé de son téléphone pour remettre Fabrice Luchini à sa place. J'ai eu un coup de fil d'un homme très dur, se souvient-il. Il m'a dit, non pas tu es une merde, mais il m'a dit tu es un lâche. Et j'ai dit comme cet homme me connaît bien. Si est-ce une phrase de Nietzsche. Il raconte que Socrate se promenait en Grèce et il y a un bonhomme qui a vu Socrate en lui disant comme vous pouvez être laid, Socrate. Et Socrate a dit comme cet homme me connaît bien. Si est-ce une manière de ne pas répondre à la question. De l'eau a coulé sous les ponts et il semble que Fabrice Luchini soit passé à autre chose. Il a, en tout cas, accepté de participer à la série mêlant biopic et fiction retraçant l'histoire de son ancien confrère. I just